Yo les tryhards, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Warzone. On va se retrouver pour la best class setup MP7 qui a été énormément réclamée. Et évidemment, avant de pouvoir comparer MP7 vs MP5, il faut quand même sortir un gameplay avec une des armes, comme j'ai pu faire avec la M4 ou la Gros. J'ai sorti une énorme game à la M4 et aujourd'hui on va se retrouver pour un 22 kills réalisé avec la MP7. La game est vraiment insane. Et avant de vous parler de la classe, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos, autant que ça soit de la news, des gros gameplays, des tutos, tout ce que tu veux en matière générale sur Call of Duty. Et n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, j'ai de nouveau égalé mon record de kill qui est de 22, j'ai vraiment pas de bol pour le moment, chaque fois c'est 22, je suis bloqué à 22, mais je pense que j'ai réalisé beaucoup plus dans les jours à venir parce que je me la donne sur Warzone et c'est vraiment ultra kiffant. Tu connais l'objectif, les 1000 likes, donc défonce-moi cette barre de likes. Vas-y, let's go, on vous montre que vous êtes là. Que vous, tryhard, vous êtes capable de défoncer une barre. Enfin bref, défoncez-moi la barre de likes. Aujourd'hui, on va se retrouver donc pour la best class setup MP7. Je vais faire comme la dernière fois, je vais expliquer absolument tout ce qu'il faut au niveau de la classe et des éventuelles modifications que vous pouvez faire. Alors déjà, la première des choses qu'il faut mettre, et ça, je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus, c'est silencieux monolithique. Silencieux léger n'est pas très utile, le silencieux tactique pas vraiment. Et la dernière fois j'avais parlé du frein de bouche, mais cette fois-ci il n'y en a vraiment pas besoin parce que la MP7 ne bouge pas beaucoup de base. Donc finalement ça sert strictement à rien le frein de bouche, et le meilleur accessoire étant le silencieux monolithique. Ensuite au niveau du canon, on va mettre le deuxième canon pour la portée des dégâts, la vitesse des balles et le contrôle du recul. Ça, ça va être assez important, certes une visée accélérée en moins, mais qu'on va compenser un peu plus tard. Donc là-dessus, c'est good. Ensuite, au niveau des accessoires, alors personnellement, je dis bien personnellement, je mets quand même la poignée avant mercenaire. Alors pourquoi de nouveau? C'est parce que de temps en temps, j'ai cherché un peu les long shots pour blesser un peu mes adversaires et les finir au sniper. Je vais en revenir un peu plus tard là-dessus, étant donné que la deuxième arme sera donc un sniper, mais c'est pour ça que j'aime bien jouer avec une poignée. Au niveau des munitions, 60 balles, parce que 50 ou 60, on voit pas une énorme différence, je recommande le 60 balles. Et ça, ça va être le dernier accessoire assez important entre deux choses que vous pouvez choisir. Soit vous décidez de jouer avec le viseur laser, enfin le laser tactique, qui va vous permettre d'avoir une visée accélérée, une stabilité de visée, une stabilité de visée en marchant, c'est comme vous avez envie, c'est plutôt assez utile, ou sinon vous jouez la poignée arrière pointillée. De nouveau, c'est comme vous avez envie de jouer. Personnellement, je joue avec la bande poignée pointillée parce que j'ai une cadence de tir améliorée en sprint. Et ça, je trouve ça plutôt assez stylé, étant donné que j'aime bien chercher tout ce qui est corps à corps et tout ce qu'il faut, tir au jugé, et c'est plutôt assez intéressant, évidemment. J'ai toujours pas terminé ma classe, étant donné que je joue avec Fantôme, vous êtes au courant, donc Fantôme, sang-froid et traqué. Et le dernier petit truc assez important, c'est que étant donné que je joue avec le Deagle et que je vais récupérer éventuellement un sniper sur un largage tactique ou tout simplement sur le corps d'un adversaire, je joue énormément avec un autre accessoire super important, c'est chargé à bloc. Tout simplement qui va me permettre d'avoir beaucoup plus de munitions dans certaines situations. Par exemple, tu sors du goulag, t'es en train de gagner, t'as un largage tactique et t'as que 50 balles dans, ou 60 dans... dans ta MP7 ou peu importe l'arme auquel tu vas jouer, c'est très utile d'avoir plus de munitions, ça peut vraiment vous sauver la vie, donc n'hésitez pas à le mettre sur le gun parce que ça va marcher également sur votre arme principale. Voilà, donc de nouveau, c'est on va dire un accessoire super important. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas explication, vous aura plu. Maintenant, je vais vous laisser avec le gameplay, comme j'ai dit, 22 kills, donc la game est super intéressante. Et je vous laisse, et je vous dis bye et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. D'accord. Sur moi, sur moi. Allez, donne un. Non, je reviens. Oui. J'ai compris. Bah, gros, je les troll. Hein. Et moi aussi, t'inquiète pas. J'achète. Vous êtes traqué, évidemment. J'ai une caisse de mine, ok. J'ai laissé des plaques de... ouais, normalement t'es censé être full plaque. Balance, prenez un drone hein, aussi. Hein. Ouais, je prends un drone, je vais en direct. Je drop la caisse de mine, je drop la caisse de mine. Non, pas tout de suite. Pas. Attends. Pareil, comme ça... Je crois qu'il m'a vu. Il m'a pas vu. Ils ont pris le colis. Ah, ils sont en colis. Un à terre. Un droit one shot. Break shield là-bas, break shield. Break shield, mort. Non. J'ai.
RPG. On a gagné en plus. Vas-y. Ouais, c'est ça, Superstore. Attends, mais on le suit parce que s'il prend un coup, ok. Tu vois, par exemple, ça. Imagine là, tu vois, il avait pas eu un réflexe. C'est un corner. T'as des plats à qualité ou je t'en achète? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, à droite maintenant, il y a un gars à droite là. J'aimerais. Oh, ils sont. Ça y est, ils sont trois, ils sont trois. Mais c'est des trois réas, non? Juste là. Tu l'as vu là-haut. Ouais. Il a drop sur le toit. Le premier est sur le toit. Le deuxième aussi est sur le toit. Ah, j'ai tué. Mais il m'a vu. Ok, ouais, ouais. Faites attention, hein, faites attention. En vrai, c'est pas, on est pas bien là. Hein. Ouais, c'est pas bon de monter. Hein. Parce que la zone elle est encore loin. Bah oui, mais après on prend le parachute. Oh putain. Il est sur moi, il est sur moi. On arrive, Velcro. On arrive. On peut pas monter plus vite. On va monter plus vite, peut-être. T'es où? T'es en haut? T'es où? Il est là, en face de moi là. Il est où? Ils sont descendus en bas. Ouais, il y a encore une autre équipe. Hein. Ouais. Une team. Faut qu'on se barre? On fait quoi? Non, ils s'attendent. Il y a une team là-bas là. Faites gaffe, hein, ils sont en dessous. Hein. Il y en a certains, ils sont en dessous. Faut qu'on reste groupé, hein. Faut qu'on reste groupé, les gars. Check derrière. Ouais, t'inquiète pas, j'ai le back. Je prends les bacs. Oh, putain, sniper. Laissez tomber. Go, on dégage. Ouais, y'a un mec. Ouais. Oui, il est droit devant moi. Deux. Y'a un gars là et son pote là. Ouais, j'arrive. Trois, ils sont trois. J'engage. Attends. Trois. 1, on engage. 1 à terre. Lance-roquette. Un autre à terre. Ok, derrière nous, il y a un quad. Mort. Maintenant, il y a un quad dans le bac. Et là, à droite, il y avait un largage. À droite, il y a eu un largage qui est tombé. Ouais, mais attends. Récupère déjà tout. Looter. Looter et après, bac à droite. Bac à droite, LT. Ils étaient là? Ouais, ils étaient juste là alors. Ah ouais, je te vois. Tu le vois là? Ah ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu. Touché dans le shield. Il y a un sniper. Touché. Il est peut-être pas tous. Non, ils sont pas en fantôme. Ok. Ils sont en coin sur certain. Là. À terre. Lui par contre il avait fantôme. Non, il y a pas d'auto. Merde. Allez, je passe nul. Merde. Il monte là-haut, il monte tout là-haut les gars. Enfin, c'est pas mouvement. Il monte tout là-haut, c'est-à-dire qu'ils ont un sniper. On va prendre un véhicule, c'est sûr. Il y en a qui est sur le champ. Il y a des gars dans le bac, hein. Il y a des gars dans le bac qui. Mais on s'en fout. Tu m'as tiré dessus. Ok, bah vas-y, on push, LT. On push. Ils sont en haut, hein. Il t'a vu, LT. Ouais, ouais. Il t'a vu. Il m'a pas vu. Je tiens dessus, je fais un tir de suppression. Il m'a vu. Oui. Ouais, lui, il m'a vu. Il a un sniper. Attention à toi, LT. Hein. Oui. Il est solo, toi, là. Il vit sur moi, Nico. Tipo, avance. Break shield là-haut, LT. Break shield tout là-haut. Ouais, mais attends. Je touche pas. On a un véhicule. Il y a un C4 là qui vient de péter, c'est toi? C'est moi. Attends, on les attend là. Ah, ils ont posé les clés. On les attend, il y a la zone. Hein. Il est juste là. La zone, hein. La zone. À terre, il est en haut. Non, c'est cool. Garde le véhicule de côté. Prends-le. Barre-toi. J'ai plus de trucs, hein. J'ai plus de trucs.
prends ça en charge. J'arrive. Il en reste un, non? Reviens, reviens, Luna. Luna, reviens, reviens. Ok, pars-toi, pars-toi, pars-toi. Avance, 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 on mourra pas, on mourra pas. Tic tac, tic tac, tic. L'octet il est. Oh, Alti, il descend-tu? Il y a un parachute devant. Matt, tu l'as vu? Je peux pas descendre! Ça bug. Tire dessus, parachute, Matt. Il est breakshit là-bas. Il y a un mec qui s'est énervé sur le ping, je sais pas qui c'est. Allez dans la zone. Je viens avec toi, Alte. Il est où? Je ne sais pas. Il y avait des gars devant, il y avait un sniper. C'est sûr. Sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. En face, en face. Je le vois, ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Il se barre, il se barre. Il y a deux gars sur moi, deux gars sur moi. Un juste derrière la poubelle là, juste derrière la poubelle. Il se barre derrière. À droite, break shield à droite. Break shield derrière. J'ai pris des balles du pour. Oh, ouais, moi aussi. Cachez-vous. T'as des plaques pour moi, LT, si je viens faire, si je cavale sur toi? J'en aurais qu'une. Aïe. Regarde ma vie. Oh, y'a un mec, y'a un mec. Non, il est dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Non, il y a une porte ouverte. Ils sont deux. Et attention, il est en fantôme. Cache-toi, cache-toi. Je suis mort, moi. Moi, je suis mort. Je vais essayer de redemption. Dis-nous. Je vous lag. Allez, les gars. Je vais le couvrir. Mort. Oh, j'imagine. Ils étaient deux, hein. J'en ai eu un. Ok. Faut qu'on bouge. Je vous lance sur vous ou pas? Non. Il y a une cave. Je fais quoi alors? Je sais pas, mais. Putain, y'a un camion. Y'a un camion là! Y'a un camion là! Merde, mauvais endroit, mauvais endroit! Casse-toi, casse-toi! En drone. Les gars, je suis dans un bâtiment, mais j'ai rien. Le bâtiment est vide. Y'a un camion, y'a le camion, y'a des gars dedans. Hein. À gauche, y'a un mec aussi. À gauche, y'a un gars au sniper. Essayez de lui foutre une balle. Ouais, cassez-vous, 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 cassez-vous. Il faut qu'on ait l'avantage et là on l'a pas. Oh le sniper en haut, oh je l'ai cru. Ouais, ouais, je l'ai cru, parez-vous. La mise, putain. Aïe. Eh bah je suis mort. Ah ouais, bah oui, mais oui, mais je peux pas courir moi. Regarde, vraiment, Matt, vraiment. Valera, fais vite. Bah. Il est mort, il est mort. J'avance pas. GG ça. Il faut que je monte en haut de la rue, il faut que je monte en haut de la rue. Merci. Je monte en haut de la grue, j'ai pas de stuff. Ah, il est où, il est où? J'ai ping. Il est dans les chevaux. Il est à gauche, il rush. À terre. Mort. GLT. Il est trop fort ce LT, vraiment. Je veux un LT dans ma vie, moi. J'ai juste ça, putain. Tiens, regarde, j'ai vu que j'avais rien. Hein. Y'a encore du monde, y'a encore du monde. Y'a un largage à côté. Putain, y'a une équipe, y'a une équipe. Putain. C'est bon, je suis stuffé par contre, je suis stuffé. Ils vont être sur le largage. Hein. Je suis devant. Ouais, ouais. Ils sont droit devant. Attends avant de tirer LT. Hein. Non, t'es solo. Il faut pas que tu tires. Hein. Tire pas. Trop tard. Un malade mental, toi. À terre. Un autre à terre. L'autre, il est parti là-bas. Rexfield. Il est là. Il est là-bas, gros. En fait. Enculé, j'arrive pas à le toucher. Presque mort. Je vais chercher la classe, gros. J'ai un jeu. Merde, mais c'est trop. Mais j'attends, j'ai d'armes, fais chier. T'as fantôme, LT. Non, mais je me suis trompé d'arme. Ah, ça va. J'arrive sur vous, j'arrive sur vous. Il est où? Il est où? Il faut qu'on aille au shop, hein. Moi j'ai besoin de.
C'est pas le même. Dans le bâtiment, il est. Il est tiré. Ouais, ouais, mais je suis grave one. Hein. Va au shop. Nico, t'es tout seul. Hein. J'en étais sûr, il y en a sûrement. Oui. Bouge pas. J'ai plus de balle. Ça arrive. Il campe dans le bâtiment. Fais gaffe à la salle. Il est où dans le bâtiment? Attends. Je suis accroupi dans le bâtiment, il est où? Il est au top, non? Il est dehors, là! Là! À terre! À terre! C'est moi, pardon! À terre! Là, dans le bâtiment! Dans le bâtiment, droit devant! Encore derrière, il est là-bas, je vais aller! Non! GG, rien! Oh, GG, ça! Est-ce que vous avez des packs? J'en ai pas beaucoup. J'en ai zéro. J'en ai une. Oh, mais il y a un shop là! Attention, ça tire! Ça tire, je vais au shop. Bon, attends, je m'achète des packs. Attention, non mais rushez pas maintenant, rush pas solo. LT, revenez. À terre. Sur le toit, Matt. Et je suis mort par le mec à droite. Il était sur le toit, l'autre. Cache les jambes. Je rentre. Il était sur le toit, l'autre. Il y en a encore un à côté de nous. Je suis mort dans un coin, voilà, je suis mort. J'ai rien pu faire. Non. GG les gars, allez, vous êtes top 3. Vous êtes top 3, il y avait des gars dans la maison. Vous les voyez dans la maison? Allez, ta mère avec ton bazooka. Putain, je peux pas, gros. Barre-toi, LP. Non, mais mec, je peux pas, c'est trop dur. Ah, oh, c'est Caporal Tony qui t'a tué, LT. C'est qui? Caporal Tony et Raisin. C'est pas des youtubeurs, hein? Je sais pas, gros, mais mec, j'ai fait 23 kills. Attendez, je regarde. Mec, j'ai fait 23 kills. 22, ouais, je vois 22. Attends, juste, je mets juste l'heure à côté. Bouge pas, quitte pas. Putain. Il m'aurait pas fumé au bazooka. Tellement le seum. Putain.